Bonjour, bonsoir, bon appétit et bienvenue sur ce blank shot de Remnants of Nazeth. Jeu que j'attendais de faire depuis longtemps puisque ça a l'air d'être apparemment un jeu du speedrun, du Super Meat Boy et du Cell. Donc un jeu pour moi. Enfin, donc là vous voyez pas le jeu, c'est normal parce qu'apparemment le jeu il commence direct avec une intro, une explication d'histoire. Donc voyons cela. Voilà. Avec une putain d'image. Legends tell of a mighty thunder dragon by the name of Nazeth, who once roamed these lands. It was said that after his death, remnants of the dragon's body that still held immense power were slowly dispersed across the world by natural events. But Nazeth didn't want to share the power he still considered his own, and so his soul still lingered, trying to find a way to purge the remnants of their magic. Thousands of years later, an adventurer by the name of Kayra heard rumors of a remnant lying inside a cave and dove in using his rope and trusty hook. But the hook was old and eventually gave way, causing Kayra to fall into a seemingly endless pit. He awoke, terrified, and found two glowing claws magically bound to his hands. Mad with terror, he swung his arms wildly, but the spell did not break. Instead, the claw shot forth, planting itself firmly into the stone wall. A magical beam still linked the claws to his hands, working much like his old hook. Suddenly, Nazeth appeared to Kayra and told him he needed a physical body to accomplish his goals. Under the promise of unlimited treasure, Kayra accepted the dragon's offer to partially possess his body and use his powers, starting on his quest to purge the Remnants of Nazeth. Oh, ce titre! Remnants of Nazeth! Est-ce que ça marche? Oui, Yamanets! Nice! Bon, vous avez compris, pouvoir dragon, moi rechercher pouvoir, tomber dans le trou, moi retrouver avec deux pouvoirs, deux mains qui font des fouets crochets, qui sont en fait pouvoir dragon, avoir besoin de moi pour retrouver son pouvoir. Voilà! En gros! Remnants of Nazeth, oui, tout à fait. Voilà. Donc, les Remnants of Nazeth, Remnants, c'est quoi? Remnants de Nazeth, du coup. Alors, watch, on peut re-regarder le... Ah oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Remnants of Nazeth. Putain, les années 90. Yes, 2000. Purge the Remnants, d'accord. Alors, il y a un mode speedrun, évidemment, parce que je vous dis que c'est un jeu du speedrun, apparemment, ça va aller très très vite. C'est des petits niveaux où il va falloir... Ah, merde! Attendez, il faut que j'enlève le jeu Itouki. Putain, on a joué à Isaac, c'est normal. C'est pour ça que mes trucs sont fucked up. Settings, alors voyons voir. Gameplay. Oui, d'accord. Fond, on va fuck. Vas-y, on laisse comme ça. C'est très bien. Graphique. Bon, on va espérer qu'il n'y ait pas de problème. Ah, langage! Turc. Ah, bah, s'il y a turc, il y a français. Français! Incroyable du cul! Voilà, donc bah tant pis, on va pas re-regarder le début, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Purger les vestiges. Les vestiges de Nazeth. Ah, les vestiges. Allez. Ah. Threshold. Le seuil. Maintenant grappin pour balancer. RB. Ah non, RB, pas RT. Ok. Oh. Maintenez grappin pour vous balancer, d'accord, ok, très bien. Oh. Ah, et selon l'angle d'approche, d'accord, ça fait plus ou moins rapidement. Oh bah là, évidemment, il y en a qui l'ont suriné, ouais, 4 secondes. Alors si vous aimez la Côte d'Azur... Ok, bah c'est pas grave, on va pas rechercher le score pour l'instant, on va juste chercher à... On va chercher à... À finir le niveau, hein, ce sera déjà pas mal. LB. Ah, il y a un dash. D'accord. Ah, d'accord. Nice. Bon, d'accord. Bon, j'ai eu une petite mort, mais c'est pas trop grave. Ah, il y en a qui passent vraiment au... Il y en a qui passent là. Oh, il y en a qui passent là. Mille fois, il y en a qui passent là. Allez. Sanguier, maîtrisé. Oh non, mais il y a des médailles.
Oh non, fallait pas me montrer ça. Oh non, il y a des... Non. Mais ça veut dire quoi les médailles? Temps de maîtrise 7 secondes. Temps rang dominance. Dominance c'est sur le classement, d'accord? Oh non, il y a un temps de maîtrise. Oh là là. Oh, je suis désolé. Ah non, faut que j'en fasse au moins quelques-uns. Voilà, ce sera pas maîtrisé du tout. Ah oui, d'accord. On recommence. Oh! Putain. Oh putain, mais je suis mauvais! Ah merde! Oh putain, mais c'est ça qu'il faut faire en fait! Merde. Trop longtemps. Paf! J'ai. Succès déverrouillé, getting good! Oh mais le temps de maîtrise, il est tellement dur à avoir en fait. Attendez, je veux juste essayer d'avoir le premier niveau en temps de maîtrise. 7 secondes 639, ok. Ça aurait pas un rapport avec le classement en fait? Merde, oh, putain, j'ai appuyé sur... Merde, c'est mon ghost. Tac. Mais non! Ah, Y! Recommencer le niveau. Ça permet d'aller plus vite. Ok. Ah, c'est cool, ça. Bon, vous inquiétez pas, hein. Là, c'est juste pour le fun. On va faire... Je veux juste faire un peu de niveau en tryhard. Il y a un wall jump. Ah, il y a un wall jump. Pas du tout. Mais c'est super dur. Ok, bon, c'est pas grave. On va continuer. Sewers. Pourquoi il y a un passage à gauche? Bon, on va juste finir les niveaux. Hop là. Ok. Heureusement qu'il y a le double saut. What the f... Ah, je peux m'accrocher que sur les trucs jaunes. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Niveau suivant. Oh, d'accord, je peux avancer sur l'eau. Oh, mais c'est vraiment un jeu du speedrun, ça. Hein. Ça me fait furieusement penser à... À... Comment ça s'appelle? Dust Force. C'est-à-dire, c'est des jeux... Oh, la bite. C'est-à-dire, c'est des jeux où, en fait, faut y avoir joué, mais des heures et des heures pour être bon, quoi. C'est horrible. C'est un ninja... C'est un DJ Dragon Neon. Ninja Rope the World. Oui, oui. De toute façon, ils ont tout quoi à Dark Souls, oui. Ah oui, non, mais c'est complètement... oui, oui, il y a plein de jeux qui existent comme ça. Hein. Plein. C'est clair qu'ils ont rien inventé. Oh, on peut passer par là. On peut passer par là. Il y avait un... Oh! D'accord! Ah, ça glisse! Tant de merde! Ok. Dust Force. Tellement poncé ce jeu. C'est vrai? Oh, putain, moi j'ai fait les premiers niveaux. J'ai fait, oh putain, il y a trop de touches, j'y arrive pas. Ça me saoule. D'accord. Bon, attends, j'ai pas compris. Pour dasher, sauter, je sais pas quoi, là. Surfer. Ah, d'accord. Pendant que vous... Ah. Et ça veut dire que je peux le faire à l'infini? Ah oui, donc... Par contre, il faut... Ah ouais, non. Je peux pas le faire à l'infini. J'allais dire, par contre, il faut être super... super synchro... Je sais pas... Non. J'ai pas compris le... Ah si. On peut le faire à l'infini, mais il faut timer, mais de ouf, en fait.
Ah putain. Ok. Mais par contre, je sais pas combien de temps ça dure. Ah, pas longtemps hein, quand même. Ah! Sauf les ultra hard finaux. Ah bah les ultra hard finaux, j'ai cru comprendre que c'était... Ouais vas-y. On va quand même faire un peu le jeu normalement là. La musique est pas ouf hein. Ah merde, je peux pas faire le double saut une fois que j'active le... Ok. Mais... Je comprends. Oh putain! LOL! Ah non, ça marche pas. Ah! Ah, ça me. Ah! Ah, j'aime pas ce niveau! Ah non, la barre qui est en. C'est la barre qui est en bas! C'est la barre qui... Putain, mais j'avais pas remarqué, je suis vraiment un con. J'avais pas... Ah! J'arrive pas... J'arrive pas à synchroniser mon truc. Voilà, merci. Ok, il fallait qu'elle soit remplie là-bas, en fait. C'est bien de la merde. Niveau suivant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Beats? Qu'est-ce que... Mais pourquoi il... Dash saut pour faire un saut dashé. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Merde. Tac. Ah, putain. Comment c'est... Ah oui, c'est ça. Ah d'accord. Dash saut, faire un dash saut derrière. Ok, d'accord. Okay. Dash saut, into dash saut. Ok. Et puis dash saut. Ah mais le dash saut c'est bien en fait. Mais ça permet de faire un dash saut puis derrière. De... Oh mais regardez, c'est quoi ces récompenses de ouf là qu'ils ont là. Ok. Ah mais... Ah ouais, non mais ça c'est vrai. Ça c'est un jeu du tryhard ça. Et là, regardez, là, en fait, il y a un secret. Ok. Oh, putain! Ok, je commence à... Non, c'est pas par là! Non, mais... Ah non, sur les pics. Merde. Ta mère. Excusez-moi. Ah non, ça va me faire criser ce jeu. Non. Oh là 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 là. Quoi? Bon, faut que je prenne plus mon temps, je suis vraiment trop con. Non! C'était dash saut que je voulais faire! Mais non! Il le fait pas dans le bon ordre! Ah, 1 minute 39, hein, je ne pense pas être dans le top record. T'es sérieux? Je me trompe de touche.
Ouais, je suis un peu loin là quand même. Mais non, putain! Faut remonter encore derrière. Ah, ta race! Attends, attends. Je peux pas recommencer depuis le début? Si, je peux. D'accord. C'est B. Non, parce que là, au bout d'un moment, faut quand même pas exagérer. Surtout que le niveau, il fait 20 mètres et demi. Tac, 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 tac. Alors, on n'est pas sur du world record, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. 21 secondes. 6 secondes 305. Non, mais ils se foutent de ma gueule. Attendez, je vais regarder ça, moi, parce que là, je comprends pas. Bon, déjà, il a deux grappins pour ma défense. Et après, mais bordel de merde, mais faut avoir poncé combien de temps ce jeu pour faire un score pareil? Regardez-moi les touches en plus qu'il fait. Ah ouais, définitivement, ce ne sera absolument que un blank shot, hein, et pas un let's play. Alors, niveau suivant. Merde. C'est vrai que je me trompe de touche. C'est vrai que je me trompe de touche. Dasher pendant un balancement pour gagner de... No way! C'est absolument pas ce que je faisais depuis le début! Attends, attends, attends. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est... d'accord. Ah oui, c'est comme ça qu'il fallait le faire, d'accord. Morial, oui. Niveau suivant. Bon, on va dire qu'on va essayer de... Ah. De finir le jeu, ce serait déjà un bon début. Ah. Attendez, je vais aller plus vite que l'ombre. Ah, tac. Ah, pas du tout. Ah, putain, mais faut aller haut, en fait. Ah! Ah, mais faut aller super haut. Bon, on va pas aller plus vite que l'ombre. Oh, putain. Oh, la vache! Chic, chic, chic. Allez, Romain. Ouais, non, mais non, pas tout de suite. D'abord, on essaye de... Obélix. Obélix. Chic, chic, chic. Oh, mais... Oh, mais merde à la fin, mais... Il doit y avoir un timing que j'ai pas avec le double saut. Ah non, j'ai compris. Ok, 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 ok. Le balancement, c'est le balancement. Pendant le balancement... Merde, non, j'appuie sur le mauvais bouton. Pendant le balancement, on peut utiliser les touches de direction pour aller plus haut. Si j'utilise mon joystick vers le haut, ça fait que je vais plus haut. Voilà. Ah. Ok, ok, ok. 2 secondes 597. Connard. Alors, niveau suivant. Oula, je suis allé un peu où là? Non, mais je suis allé un peu trop près là. Oui, non, ouais. Ah, il faut monter après. Ah, mais on peut y aller en un saut alors. Genre, si je fais ça. Merde. Genre, si je fais ça. Oui, non, un petit peu trop loin là, quand même.
Hop là. Et là, je rattrape le truc. Pas du tout. Maman. Chic, chic, chic. T'aimes bien mon Obélix? Ah, mais c'est complètement possible de le faire en un saut. Ça, c'est dans le classement, ça. Ça doit être rien pour eux, d'ailleurs. Mais... Ah, ta mère. Hop là. Yes. 4928e sur 7485. Beaucoup de gens ont joué ce jeu. Ah, mais pourquoi il passe par là, lui? Si je fais ça, en vrai... Ah! Non! Là! Ok, ça passe. Hop là! Au secours! Ouais, niveau suivant. Mais je sais même pas niveau suivant. Mais attends, choix des niveaux, je suis où là? Ah, mais j'ai fait tout ça déjà? D'accord. Ah, j'ai des petits trucs! Ah, genre quand je suis pas trop mal, quand je suis ridicule. Genre Pondle, ridicule. The Gap, pas fait. Sweet Flush, pas mal! 50 gamins, putain. Ah, je me suis bien démerdé pour celui-là. Cool. Allez, on fait Lush. Ah bah voilà, c'était lui qui fait... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah. Ah, très joli saut, hein, mon cher Michel Bougela. Je peux pas redescendre plus vite. Je peux pas redescendre plus vite. Oh putain. Ah. Ah ah ah, les enculés. C'est passé. Pourquoi il me fait un... comme ça là? Ah, attends, peut-être que choix des niveaux. Oui, c'est parce que j'ai eu un gris. Il me fait un... comme ça parce que j'ai été bon. Trempe. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est un jeu pour. Ah, mais je dois aller où après? Ah oh ouais, d'accord, lol. Faut revenir en arrière. Comment tu... Ah oui, c'est vrai qu'il faut utiliser les directions. Pas du tout. Oula, non. Oh là là, comme j'y arrive pas. Ah, comment j'y... Ah, comment j'y arrive pas? Ah oui, non, c'est, en fait, c'est mon dash que j'utilise mal. Ah, putain, j'y étais presque. J'y étais presque. C'est mon dash que j'utilise mal. Ah, j'y étais... Mais faut aller à gauche, à droite, en fait. On va recommencer. Mais après, pourquoi il retourne en arrière, en fait, je comprends pas. Pour remonter, mais... Pourquoi pas? Genre, si je fais ça... Parce qu'après, il part bien à droite.
Ah non, il remonte apparemment, on le voit plus. Oh yes! Oh non! Ah! Les arrière-plans, le gros mouvement. Hein? Je sais pas vous, mais les arrière-plans sont le gros moins du jeu. Ah ouais, mais y'a pas d'arrière-plan. Ah putain! Ah mais attendez, et si? Est-ce que c'est possible? Non, parce que non, ça. Et bon, à moins que. Ah, attendez! Alors, par contre, gros plus pour le jeu, c'est l'introduction. L'introduction qui envoie du lourd. Après, le jeu en lui-même... Je m'attendais pas à ça, en fait. Enfin... Je m'attendais à une notion speedrun, mais pas autant, en fait. Pas à des petits niveaux aussi... C'est ultra difficile de maîtriser ce jeu, en fait. Oh la vache! Yes! Yes! Allez, Super Meat Boy. Comment tu fais pour passer ça, par contre? Comment tu fais pour passer ce truc-là, par contre? Ah! En musique, on appelle ça la technique de la libellule. Là. Ah la vache! Mais putain, mais... Là. Non. Mais putain, mais je comprends pas comment. Je peux pas voir une démo. Mais j'ai pas envie de refaire le saut nul de tout à l'heure, c'est pour ça. J'ai pas envie de... Ah, peut-être tout simplement... Oui, voilà. What the fuck? Attendez. Hein? C'est un troll? C'est-à-dire que si on tombe, en fait, on peut pas la voir, et lol, t'as raté, recommence. Mais regarde, la fin, elle est là. Ok. Oh! Oh, c'était chiant! Attends, vas-y, on va se faire mal, on va se faire mal. Passer par le bas, mais oui, je suis trop con. Et là, par contre, attends, il y a un truc qui... Là! Ah, mais j'avais pas vu! Donne-moi la souris, je te montre. D'accord, c'est pour ça que je joue à la manette. Tiens, la souris, amuse-toi avec. non, mais je sais. Rafraîchir. Non. Réessayer. Attendez, parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais pas vu. C'est qu'apparemment... Voilà! Il y a un bloc de terre. Il y a un bloc de terre. Moi, je croyais que c'était parce qu'il y avait de la... Parce qu'il y avait de la... De l'acier tout le long. Enfin, de la... du blob tout le long. Ça couvrait l'acier. Mais en fait, pas du tout. Donc en fait, on peut faire ça, 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 fuck, ça, 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 ah putain, allez, ça, 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 ah, mais, ah, va pas jusqu'au bout, je t'arrête avant, ah merde, attendez, tac, oh, ah, ils ont foiré, ok, merde. Putain.
Ah putain, pourquoi j'ai pas le droit à mon double saut après? Pourquoi j'ai pas le droit à mon double saut derrière? Ah, peut-être parce que je l'utilise déjà en fait. Je l'ai utilisé, il faut se poser. Sinon on peut pas l'utiliser. Et j'ai besoin de l'utiliser. Parce que je ne suis pas un professionnel. Ce stream est un stream de professionnel, mais je ne suis pas un professionnel de Remnants, évidemment. Aïe, trop. Bon bref, de toute façon vous avez compris le système, après on monte et puis après on passe par le dessous des deux et puis on a réussi. Voilà. Choix des niveaux. Donc ça c'est fait. The Gap c'est pas fait. Et on peut aller à la suite. Moi j'ai envie de dire, voyons voir ce que nous donne la suite. Plunge. Oh. Qu'est-ce que... Pourquoi il... Hein? Mais putain! Faut vraiment que je le fasse mon double saut pour que t'arrêtes de faire de la merde? Oui. Oh! Ah, la course contre la montre! Non! Putain, mais... C'est que le premier monde, hein, et c'est super dur, en fait! Oh mon dieu! Ah mais c'est vrai, c'est le jeu du tryhard de l'infini! Ah ouais, non mais non! Ah ouais, non mais on va s'emmerder sec, là! Je veux dire non, au bout d'un moment. Ok, bon au moins, j'ai un checkpoint. Ah d'accord, j'aurais pu attendre, en fait. Mais pourquoi quand il fait une accroche, il est obligé de le faire jusqu'au bout? J'ai pas envie de le faire. Ah, j'avais pas vu ça. J'ai pas envie de le faire jusqu'au bout. Le grappin. Genre, tu t'arrêtes de grappiner avant, quoi. Aïe! Oh là là! Aïe! Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, c'est le truc de speedrunner, ça. Oui, ok. Putain, et mine de rien, je suis mort 20 fois. 3088e sur 3979. C'est chaud. Il y a peu de gens qui se sont dit « Ah, vas-y, je vais jusqu'au bout du jeu. » Et du coup, maintenant, choix des niveaux, ça ressemble à quoi? D'accord, et en fait, on va de niveau en niveau comme ça. Wish, plunge, wish. D'accord. Recherche de niveau. Recherche de niveau. Ok. D'accord, ok. Bon, bah, au moins. Bon, c'était une petite découverte. Hein. Je vais pas faire une heure et demie de ça, hein, finalement. Parce que sinon, on va très vite s'emmerder. Mais voilà. En tout cas, ça a pu vous montrer ce qu'était Remnants of Nazith. En tout cas, YouTube, j'espère que tu as kiffé cette petite présentation. C'est le cas, évidemment. Tu la partages et tu mets un pouce. Je te fais plein de. Je te dis à la prochaine.